Germany, Africa. Yeah, mix. 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 Yeah. Papa India, Mama Romani. Papa India? Oui. Comment Papa India? J'ai jamais pensé être un photographe. J'ai fait des études de maths. Après, dans l'âge de l'adolescence, j'étais amoureux de hip-hop, surtout la danse de break. En 2013, j'ai eu une blessure dans le genou. Et quand j'étais danseur, je m'entraîne 6 heures par jour. Et là, j'ai 6 heures, je fais rien. Alors j'ai pris l'appareil que j'utilisais dans mes voyages et j'ai commencé à marcher dans les rues de Casablanca sans avoir une idée de ce que je vais faire avec les photos. Et là, j'ai dit comment on approche sur la ville, c'est différent. Pour moi, c'était l'énergie, c'était les couleurs, c'était l'espace, c'est notre vision. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire un projet sur Casa. Longtemps, j'ai pensé à un titre. Et là, j'ai revenu à mes voyages encore. Et c'était marrant parce qu'à chaque fois, je rencontre des gens à l'étranger. Ils me posent une question, « Where are you from ?»« Tu viens d'où ?» Moi, j'ai dit, « Je viens de Casablanca. » Et directement, les gens ils disent, « Ah, Casablanca, the movie, the great movie. » Moi, j'ai dit, « Non, je ne viens pas de Casablanca, le film. Je viens de Casablanca, pas le film. » Et là, quand j'ai fait le projet photographé, j'ai nommé directement Casablanca, not the movie. Et mon parcours de la photographie commençait parce que ce projet-là, il était publié dans le New York Times, The Guardian, National Geographic, et il a commencé à exposer. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je me concentre beaucoup sur la photo. Et voilà, j'ai commencé mon carrière sur la photographie. Quand on parle de foot, on pense toujours à la balle, mais il y a des gestuels dans le foot. Pour moi, le foot, c'est une sorte de danse, de chorégraphie. Il y a une forme dans le corps quand on prend la balle ou bien quand on bouge avec la balle. Si on met un match de foot avec une musique, on va imaginer une pièce de danse, pas un match de foot. Mais ces gens-là, je pense qu'ils ont inspiré par d'autres choses pour créer des mouvements. Ils n'ont pas vraiment inspiré, pas que par des footballeurs, mais par d'autres personnes. Et c'est un cercle en fait, chaque personne elle s'inspire d'autres personnes. Même dans la photo, je peux être inspiré par des photographes, mais je suis inspiré par d'autres personnes qui pratiquent d'autres choses. Parfois la danse, parfois les échecs. Tu touches pas la balle et tu fais des gestes devant ça. Je peux faire montrer un truc. Mais ça va être un truc en dansant ou bien... Et je pense le quartier, le street, même du culture aussi, ils ont influencé par d'autres cultures. Parfois, si on parle de Brésil, il y a l'influence de capoeira, il y a l'influence de salsa. Et c'est des mouvements en fait, c'est des gestes rapides. Allez, encore, bravo, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et tout. Pour moi, Bondy, c'est une place intéressante par rapport au foot. Alors, on ne peut pas parler de la région parisienne par rapport au foot, on ne parle pas de Bondy. C'est vraiment intéressant pour moi d'approcher des gens là, de partager avec eux, mais aussi de documenter des moments qui se passent dans le club ou bien à côté du club. J'avais avec moi un freestyle footballeur qui montre un peu la technique de freestyle foot, comment on peut danser avec la balle, comment on peut utiliser la balle différemment que le foot. C'est un partage, parfois par la balle et parfois aussi même avec l'appareil. J'essaie de faire apprendre comment on peut utiliser la caméra pour capturer des moments sur le foot, sur l'action.
Au début, j'avais pas une idée ce que je veux faire à la fin de ce projet, mais à la fin, j'ai trouvé que je peux recréer un match imaginaire, mais pas forcément les joueurs, les normaux joueurs qui jouent. Mais c'est des facteurs comme l'espace, le mouvement, l'action, l'identité, l'immigration qui jouent dans ce match. Parce qu'on ne peut pas ignorer que l'immigration joue un jeu très très important dans le foot, ouais. Surtout en France. J'ai trouvé un trait commun entre le Maroc et la France, c'est la culture de foot, c'est très très important en fait. Même quand j'ai venu en France, c'était un peu froid et que j'ai dit je vais photographier le foot dans la rue, ils ont dit c'est pas le bon moment, il faut que je vienne à l'été. Mais même je venais pas à l'été, j'avais un peu de soleil et j'avais des gens qui jouent de foot et c'était pour moi parfait. Châtelet, c'est vraiment intéressant parce qu'on trouve, il y a aussi le centre Pompidou qui les touristes qui le visitent ou bien les gens un peu chic qui viennent là. Il y a Châtelet aussi, il y a des communautés qui viennent dehors de Paris. Il y a une mixité qui est vraiment intéressante et l'idée de ramener un flash comme ça qui est un peu grand, c'est de sortir de cette idée de photos de Paris en fait. Parce que Paris, elle était vraiment photographiée par plusieurs photographes. Et moi, pour rajouter une touche, j'essaie de ramener ça. On va voir. En fait. Attends, je regarde ça. Ah ouais, ça. Ah, c'est bon, j'ai pris. Non, c'est joli. Tu as essayé sans tati. C'est le soleil que de quoi, c'est ton postiche que t'as caché. Plus en lumière, plus. Plus à la lumière. Voilà. Les jeunes, Châtelet, le mixité, comment les gens s'habillent, pourquoi ici. Il y a des gens qu'on ignore un peu et c'est bien d'être, qu'on le met dans la lumière. Ce n'est pas que la lumière du jour, c'est même plus la lumière artificielle. Comme ça, on le voit mieux, avec plus de détails, plus de beauté. Il y a un moment que j'ai regardé un groupe de garçons qui ont l'air vraiment stylés et j'ai allé direct. Et dans le moment que j'ai fait la photo, ils ont été très en colère. Ils ont venu vers moi. Un, il voulait prendre mon flash et l'autre, il voulait prendre la caméra, regarder comment la photo. Ils disaient, t'as pas le droit de faire la photo, pourquoi tu as fait la photo? Je lui ai dit, ok, on le supprime. J'ai montré la photo et quand j'ai montré la photo, il a dit, waouh, on est comme des gangsters. Après, il a appelé tout le monde pour regarder la photo et après, ils ont demandé à faire plusieurs photos. C'est un monde, en fait, quand tu le vois de loin, tu te sens un peu stressé. Mais quand tu rentres dedans, tu trouves que ces gens-là sont ouverts, ils ont besoin d'exprimer. Alors, quand je les présentais ces photos-là, qu'ils sont un peu différents, un peu de la mode, ils ont été très contents, ils étaient ouverts pour rentrer dans leur monde, en fait, de se rencontrer ici. Et je trouve que c'est vraiment magnifique en fait. Et maintenant, quand je connais un peu la communauté, qu'ils se rencontrent ici, je sens que je fais partie d'eux. Et là, quand ils me voient même photographier avec le flash, ils ne disent rien en fait. Même ils ne changent pas la scène. Et même, parfois il y a le bagarre, parfois il y a des choses bien. Et pour moi, c'est ça mon rôle en fait, de documenter ces moments-là, de même aussi donner à ces moments-là pour eux et garder pour moi et pour l'histoire de cette place aussi. Qui t'a écrit à l'état brasé? Voilà, je suis moche. Ouais, c'est qui vous a dit moi j'ai une photo? Vas-y, viens, viens, viens. Vas-y. Il veut prendre que moi. Il veut prendre que Ramadan. Il y a cette approche aussi de partage. J'aime beaucoup aussi partager ce que j'ai pris. Peut-être eux, ils veulent l'utiliser maintenant dans Instagram ou bien ils gardent comme mémoire ou bien... Ouais. La notion de partage, c'est important pour moi, le côté humain. Parfois, je prends la photo, je pars, et parfois, si les gens s'intéressent à la photo, je la donne direct. Il y a d'autres choses, même les gens qui passent à côté de cet endroit-là, je le photographe aussi. Parce que eux, même ils sont juste comme un passant, ils restent là pour 30 secondes, bien 10 secondes, ils sont fait partie de cet endroit. Alors j'essaie de le photographier, je sens à l'aise de le photographier. Parce que cette place, ça va devenir ma place en fait.
Je fais aussi la photo de street qui est invisible, que j'essaie pas de montrer ce que je fais. Mais avec ça, c'est un peu difficile. C'est pour ça, c'est une autre approche. C'est rentrer dans les communautés, demander leur histoire et essayer d'être vraiment dedans pour faire la photo. Et c'est le mix entre les deux. Ça peut être, c'est entre classique et contemporain aussi. J'aime beaucoup cette approche qui reste fidèle à la street photographie classique, mais en même temps, je vis dans un monde qui est contemporain. Pourquoi pas utiliser des choses qui sont aussi contemporaines